Ce qui est particulièrement difficile dans la gestion, c'est le caractère durable de cet événement, de cet épisode météorologique. Depuis 8 jours maintenant, ce sont des successions d'accalmie, puis de précipitations, avec des éléments notamment liés aux coefficients de marée qui permettent parfois d'évacuer, mais au contraire, dans d'autres périodes, d'avoir une saturation des sols. Fin d'après-midi et cette nuit, nouvelle perturbation avec des averses pouvant donner 20, 30 mm, peut-être à certains endroits jusqu'à 40 mm de pluie. Donc à nouveau, grande vigilance pour l'ensemble du territoire de la côte d'Opale. À cause d'un manque de grandeur, je crois. Déjà, on est averti par les services techniques. Donc on vire les voitures, on va les mettre où on peut, quoi. Et puis après, on regarde ça monte vite, pas vite, voilà, au fur et à mesure. Il faut se dire qu'il y a beaucoup pire que nous, hein. Il y en a qui ont dans leur maison. Nous autres, pour l'instant, on n'a pas quitté notre maison, on a dormi chez nous et tout, hein.